Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une petite application qui va vous permettre de faire un contrôle à distance, sans fil ou en utilisant son smartphone, ou bien un téléphone portable normal. Premièrement, je vous invite à constituer le projet qui permet de lire donc une sortie audio en utilisant la carte Arduino. Du coup, donc ça, c'est juste la suite du premier projet. Donc, dans ce projet-là, donc on va faire une commande à distance. Donc, on va utiliser deux portables. On va utiliser un téléphone portable pour passer l'appel. On va utiliser un autre téléphone portable qui va recevoir l'appel. Ensuite, on va utiliser un connecteur audio. On va utiliser un connecteur audio normal, donc celui qu'on a utilisé dans le premier projet, donc pour récupérer la sortie audio du portable. L'idée, c'est lorsqu'on va passer des appels, donc en fonction de la durée de l'appel, donc on va déclencher une sortie. Par exemple, si on va appeler ce téléphone-là pendant 2 secondes, ou bien pendant 3 secondes, 4 secondes, etc. En fonction de la durée de l'appel, on va déclencher une action. Donc c'est un jack comme celui-là. Donc c'est un connecteur audio avec deux sorties stéréo. C'est-à-dire on a deux sorties analogiques, la sortie droite et la sortie gauche. Nous, ce qu'on va faire, on va récupérer ces deux sorties-là avec on va faire lire le signal analogique ici qui vient de l'appel de entrant. Qu'on voit ici par exemple lorsqu'on utilise les écouteurs, lorsque quelqu'un nous appelle, donc on écoute l'appel de entrant. Donc c'est la même chose ici, donc on va utiliser la carte Arduino pour écouter les appels entrants. Donc ensuite, donc en fonction de la durée d'appel, donc on va générer une action. Donc ici, nos actions, ici, ce sont trois LED. Donc ça peut être une LED, ça peut être la mise en marche d'une machine, etc. Donc ça peut déclencher une action. Donc ici, donc on va utiliser trois LED. Donc en fonction de la durée d'appel, donc la durée minimale, c'est la LED bleue. Donc la durée moyenne, c'est la LED verte. Ensuite, donc lorsqu'on a un appel plus long, on va désactiver la LED rouge. La durée des appels, c'est programmable par la carte Arduino. Donc on utilise une LED avec une résistance de 100 ohms. Donc il ne faut pas oublier, lorsqu'on va faire l'acquisition des entrées analogiques, ici, donc on va utiliser une résistance environ de 200 ohms vers la masse, donc qui branche entre chaque pin et la masse. Donc ici, il y a la masse, après il y a le plus, donc il faut mettre une résistance entre les deux pins. Pourquoi mettre une résistance? Parce que lorsqu'on va faire une acquisition sans mettre une résistance, il doit y avoir des fluctuations du bruit. Parce que donc l'entrée analogique est flottante. Dans ce cas-là, il faut mettre une résistance pour forcer l'entrée d'être à zéro à l'absence du signal. Donc ici, on a deux entrées analogiques. Donc il y a aussi donc le connecteur. Donc on va le brancher avec le portable. Donc ici. Voilà, après, donc en fonction lorsqu'on va recevoir un appel, ou bien par exemple lorsqu'on va taper des touches, donc on va les écouter par la carte Arduino. Dans ce projet-là, donc on va pas utiliser un modem, donc on va juste utiliser une carte Arduino, un câble audio et des résistances et des LED. Donc dans ce projet-là, donc on va apprendre la notion de l'intégration numérique, donc savoir utiliser la sortie audio de son smartphone ou bien de l'ordinateur. Ensuite, donc en fonction de la durée d'appel, donc on va déclencher des actions. Dans notre projet, donc on a besoin de trois LED. Ça peut être des LED, ça peut être des cartes roulées. Par exemple, si on va faire la commande à distance de la mise en marche ou bien la mise en arrêt d'une machine. Le principe sera identique. Donc ici, on va utiliser trois LED. Donc il y a la LED 1, 2, 3 qui sont branchées dans les sorties digitales 2, 3 et 4. Ensuite, on va définir le seuil du déclenchement. Donc le seuil du déclenchement, c'est-à-dire en fonction de la durée d'appel. Par exemple, si on a une durée de 2 secondes, de 10 secondes de l'appel, donc on va déclencher la LED 1, ensuite 20 secondes, on va déclencher la LED 2, etc. Ensuite le seuil, c'est juste une valeur, donc on peut une valeur plus grande ou bien plus petite en fonction de la durée d'appel. Ensuite, donc il y a le seuil audio, c'est-à-dire la valeur minimale pour laquelle donc on va dire la présence du signal audio ou pas, c'est-à-dire la présence de la détection de l'appel entrant. Dans le cas lorsque le téléphone, lorsqu'il n'y a pas d'appel audio, donc normalement le signal analogique est égal à 0. Donc ici j'ai mis 2 pour dire la présence de l'appel audio. Donc on va passer maintenant au cœur du programme. Donc on va utiliser le port serré pour observer. Donc soit on va observer la valeur du compteur, donc la durée d'appel, ou bien on va observer les entrées analogiques. Le cours du programme, premièrement, on va faire la lecture de l'entrée analogique à 0 et à 1. Donc on va lire l'entrée du jack qui est branché avec le téléphone portable, récepteur. Ensuite,
Donc ici, on va faire la somme des deux pour avoir plus de signal. Donc dans cette partie-là, donc nous avons déjà abordé donc la première partie dans une vidéo dédiée à la lecture du port audio. Donc je vous invite à consulter la vidéo dédiée, le mini-projet dédié à la lecture du port audio. Ensuite, le remplissage. Donc le remplissage, c'est-à-dire l'intégration du signal. Donc l'intégration numérique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on détecte la présence du signal, donc on va remplir un accumulateur, un compteur. C'est comme un réservoir qu'on remplit avec du signal. Donc alors, le signal pour nous, ça peut être de l'eau. Chaque fois qu'il y a de l'eau, donc on augmente le. On remplit davantage le réservoir. Donc la même chose ici, dès qu'on détecte la présence du signal ici, lorsqu'on va dépasser le seuil, on va dire la présence du signal, on va incrémenter le compteur. Du coup, chaque fois qu'on détecte la présence du signal, on va incrémenter le compteur. Et lorsque le compteur atteint des valeurs, donc en fonction du seuil, si le seuil par exemple dépasse le seuil 1, qui correspond à la durée minimale, dans ce cas-là, on va allumer la LED 1. Si le compteur dépasse le seuil 2, on va allumer la LED 2 et on va déclencher l'action 2. Si le compteur dépasse le seuil 3, on va déclencher l'action 3. Donc on voit ici donc la valeur du compteur. Donc on a déclaré le compteur en insigne langue, c'est sur 34,8. Du coup, on a largement de la marge. Vous pouvez faire par exemple, vous pouvez programmer la durée d'appel. Par exemple, si vous voulez déclencher une action, on se reverra tout à l'heure. Vous pouvez faire plusieurs appels pour déclencher une action. Par exemple, vous pouvez appeler le compteur, vous pouvez appeler le portable 5, 10 fois, 20 fois, etc. Donc en fonction de la durée, en fonction du seuil. Donc ici le seuil, lorsque le seuil est minimal, donc la durée d'appel elle est minimale. Le nombre de fois qu'on peut appeler le portant, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire on peut appeler 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Donc l'initialisation se fait uniquement lorsque le nombre d'appels atteint une valeur maximale. Dans notre cas, c'est la valeur ici. Donc la valeur maximale, c'est 50. Donc ici, pour le déclenchement de l'action 1, donc on a 10, l'action 2. On a 20, l'action 3, on a 30. Ensuite, pour réinitialiser au compteur, donc on va réinitialiser à 50. Autrement dit, donc le compteur ne sera jamais réinitialisé tant qu'on n'atteint pas la valeur maximale. Donc il faut déclencher les trois actions avant de faire l'initialisation du compteur. Ensuite, ici, donc on voit ici donc la partie initialisation. Lorsque j'atteins la valeur maximale, donc j'initialise l'ensemble, j'initialise le compteur et je mets à 0, donc je désactive toutes les actions. J'éteins toutes les LED. Donc, ensuite ici donc j'utilise le port serré pour observer soit l'état du compteur, je peux émuler la valeur du compteur ici, ou bien pour observer le signal analogique, donc il suffit de mettre qu'on peut remplacer dans un premier temps avec le signal analogique. Donc on va compiler notre programme. Donc on va commenter la première partie. Donc voilà donc la partie programmée. Donc on voit ici par exemple, donc lorsque j'appuie sur les touches du portable, donc je vois le déclenchement des LED. Pourquoi? Parce que dans la carte Arduino, il écoute en permanence donc la sortie audio. Normalement, dans notre cas, notre objectif, c'est pas de lire les touches avec la carte Arduino, mais de récupérer les appels entrants. Donc on va faire la même chose avec les appels entrants. D'abord, on va réinitialiser la carte. Donc ensuite, on va utiliser un autre portable pour appeler la carte. Voilà, donc je lance un appel. Donc voilà, donc l'appel est. Donc ce téléphone, je suis en train d'appeler ce téléphone-là. Donc on va attendre dans un certain moment. Donc la première bleue va être allumée. Donc il y a la LED bleue d'abord, ensuite la LED verte, ensuite la LED rouge. Donc je peux couper l'appel. Donc en revanche, donc l'état de la LED, ça reste allumé. Donc là, la durée d'attente, donc il n'y a pas de limite. Par exemple, je peux attendre 1 heure, 2 heures pour relancer un autre appel. Donc là, je peux appeler la deuxième fois. Donc là, je suis en train de remplir le compteur. Donc là, donc j'atteins le seuil 2. Donc lorsque j'atteins le seuil 2, j'active la LED verte. Ensuite, la LED rouge. Ensuite, la réinitialisation de la carte. Là, je coupe. Donc là, je ne suis pas encore arrivé à la valeur maximale pour réinitialiser le compteur. Donc je peux faire la troisième fois l'appel. Donc je peux appeler la troisième fois. Donc ici, donc je reçois l'appel ici. Donc ensuite,
On va bientôt réinitialiser l'histoire du LED. Donc là, on va attendre. Voilà. Donc là, je suis arrivé à Z. Donc là, je suis en train de recommencer le cycle. Donc là, je peux couper. Donc on voit ici donc le delay d'appel. Donc il n'y a pas de limite. Par exemple, vous pouvez programmer des actions qui se déclenchent, par exemple, qui se déclenchent à 5 appels, 10 appels, 20 appels, etc. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.